tous. On m'a demandé beaucoup de faire une journée dans mon assiette, surtout sur Snapchat. Donc là, je me fais chauffer de l'eau pour faire un petit café parce que j'ai arrêté avec les machines à café. À chaque fois, elles étaient en panne. Enfin bref, j'ai essayé plusieurs cafetières. Bon, maintenant je suis à la bouilloire. Comme ça me permet de consommer le thé. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de prendre un café. Donc actuellement, c'est le Maxell House qualité. Une petite tasse, la tasse qui venait de chez Action d'ailleurs. C'est un exemple sur une journée, hein. Je sais pas tous les jours pareil. Alors je mets environ une cuillère à demi. Même deux cuillères pour une tasse. Hein. Facile une main quand même. Hein. Il faudrait que je m'achète une perche selfie. Ensuite, j'ai envie de prendre un bol de céréales. Hop. Donc ce sera ceci que j'adore. Je vais mettre sur pause et je reviens. Un bol comme ceci, avec du lait entier. Et en général, j'accompagne ça soit d'un petit gâteau ou soit d'un abricot. Là, ce matin, ce sera un abricot. À plus tard pour midi, des bisous. Voici la journée dans mon assiette. Donc là, j'ai présenté ça dans un plateau de chez Action, un rose, hein, tout simplement. Je vous envoie sur mes anciennes vidéos. Donc j'ai pris une petite assiette. Voilà, c'est le genre de repas que je peux me faire le mercredi. Donc il y a de la salade, de la tomate, des surimi fourrés au fromage et aux herbes. J'ai mis du citron. Est-ce que vous voyez la sauce marron là? C'est du soja. Voilà. C'est du soja, vous savez, qui s'accompagne avec. C'est une sauce chinoise en fin de compte. Avec en dessert une tarte aux pommes, un verre de coca zéro. Voilà. Et puis voilà pour. Alors ces petits couverts-ci, je les utilise que quand j'ai pas à couper évidemment. Alors j'en ai un pour la tarte et un autre pour le dessert. Non, pour l'entrée. Enfin pour le plat. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est un exemple encore d'une journée dans mon assiette l'été. Voilà. Bah écoutez, j'essaie de revenir ce soir. Des gros bisous. Donc pour clôturer ma journée dans l'assiette, eh ben, c'est une salade Sodebo pour moi ce soir. Je ne mange pas pareil que le reste de la famille. Voilà. Toujours du Coca Zéro. Voilà, tout simplement. Et encore un morceau de tarte aux pommes parce que je suis trop 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 gourmande. Donc je ne mange pas pareil là ce soir. Eux, ils mangent autre chose. Voilà, j'avais trop envie de manger cette salade-ci. En général, je me les garde pour le midi à mon travail, mais là, j'avais trop, trop, trop envie de manger ça ce soir. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite journée dans mon assiette qui m'a été pas mal demandée quand même vous aura plu. Hein. Je ne mange pas comme ça tous les jours. C'est un petit exemple. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.